Salut à tous, c'est TheGamer. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera sur un jeu Xbox 360 et ça sera sur Lightning Returns Final Fantasy XIII. Donc en gros ce jeu-là est en gros le troisième de du volet de la saga Final Fantasy XIII. Donc là cette fois-ci c'est le dernier. Donc je vous fais voir la boîte. Donc vous voyez, elle est pas trop mal quand même. Elle est belle. Donc j'ai essayé ce Final Fantasy. Je pense pas que je le finirai parce que moi les RPG ça me saoule assez vite. Généralement, bon, c'est en Gamers Club. Hein. Et ça c'est la boîte collector qu'ils ont mis. C'est une boîte assez jolie je trouve. Bon, ça, il y a le DLC de Cloud hein, avec sa fameuse épée. Voilà. Donc on va déballer la boîte. Donc je suppose qu'il n'y a pas de mode d'emploi parce que. Donc, le principe du jeu, c'est que dans le jeu, vous avez à peu près 6 joueurs pour sauver le monde. Ça rappelle un peu le même délire qu'il y avait eu sur Majora's Mask avec Zelda. On avait 3 joueurs, le temps tournait, et il fallait absolument finir sauver le monde. Là, c'est à peu près le même principe. Donc, d'après ce que j'ai vu, différents tests, bon, il a été bien noté, mais pas non plus, il n'a pas non plus un 19. Et apparemment, il faut refaire moins une ou deux fois le jeu pour vraiment tout explorer et connaître, je crois, tous les fins ou tout. Donc, refaire 3 fois le même jeu, sachant qu'un RPG, c'est très long s'il y a du leveling. C'est-à-dire du leveling, ça veut dire faire monter ses niveaux. Donc, ouais, c'est... Je sais pas, je pense pas que beaucoup de gens voudront refaire le jeu 50 fois. Alors, ouais, le disque, il est plutôt pas mal, je trouve. Bon, là, il y a... Je pose un DLC. Là, la jaquette. Ouais, et le mec là qui est là, on dirait Raiden dans Metal Gear. Et pourtant, c'est Square Enix. Hein. Donc, bon, un petit mode d'emploi. Assez sympathique. Donc, faut comprendre. Hein. Moi, je pense que je vais rien capter au jeu parce que j'ai déjà pas fait les deux autres. On va dire, j'avais pris le 13 au PS3, mais j'ai joué à les têtes 2h, 3h, pas plus. Donc je vais vraiment rien capter, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, sans plus tarder, je vous propose la découverte de Lightning Returns Final Fantasy XIII sur Xbox 360. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, re tout le monde. Donc, pour vous faire voir la boîte et tout. Donc, alors. Je vais vous démarrer une nouvelle partie, bien sûr. On va la refaire en mode facile parce que moi. Déjà, des combats aisés, pas de pénalty en cas de fuite. Regarde de PV automatique en des combats. Ah oui, hein. J'en ai aussi. De toute façon, que ce soit ça ou autre chose, moi, de toute façon, je fais jamais les jeux à fond. Hein. Généralement, il n'y a que Tomb Raider. Definitive Edition que j'ai fait tout solo, j'ai tout cherché quasiment à fond, mais c'est vraiment le seul. Hein. Ah voilà, faut se créer une partie, putain, c'est vrai, j'avais oublié. Alors je sais pas combien il m'a pris sur le disque dur, je pense à 6 Go. Hein. Oui. Alors, vous allez voir que bon. Alors voilà, on est le 12-02, il est 22h. Trop chiant. Voilà, allez. Voilà. Oui, j'upset. Oh. Désolé, hein, c'est des petits réglages. Voilà. Je pense que ça va pas le faire parce que le jeu n'est pas encore officiellement sorti. Même si au Japon il est sorti depuis le mois de novembre. Hein. Je vous rappelle, au Japon, les Japonais sont toujours servis avant nous. Généralement, plus il est sorti, je crois, peu de temps avant que la Xbox One sorte. Donc, en Europe. J'ai l'impression que ça va être le même début que de la démo, donc je suis vraiment désolé, mais je pourrais pas faire autrement. Parce que là, je suis vraiment au début du jeu. Alors, déjà, j'avais bloqué sur le combat du box du boss en démo. Alors, si je bloque pareil, je vais pas aller très loin. Hein.
Bon, il y a une tactique, hein, je pense. Puis là, peut-être que j'étais en mode normal. It's beginning. Et c'est beginning. Oh non, mais Final Fantasy, de toute façon, c'est des jeux, faut vraiment être passionné. Faut vraiment passionner ceux qui ne l'ont pas. Moi, je suis pas vraiment un passionné de ces jeux-là, mais bon. On peut dire que graphiquement, c'est beau quand même. Only 13 days to go. Ouais, il reste que 13 jours. Là, je me suis couvert, ouais, donc on a pas 6 jours, mais c'est 13 jours. Donc, je sais pas si ça commence comme dans la démo. Enfin, si, c'est exactement pareil. De jeu et qui veulent les faire à fond, il va s'éclater. Et pour quelqu'un qui pas trop les RPG, on va dire moi c'est pas que j'aime pas, mais faut vraiment se mettre dedans. Bon, moi je le prends pour essayer, on va dire. Après c'est sûr, je pense pas que je le finirai à 100%, je le finirai peut-être même pas. Donc à moi qui suis vraiment passionné par l'histoire, What kind of answer is that? Now that isn't going to work. Lumina! Now that's not right. You're not supposed to throw your life away. I swear that kid is a demon. Angels of death and demons? You're attracting the wrong crowd, Snow. Oh. Ouais, je fais le signe de vidéo et il n'y a toujours pas de gameplay pour l'instant. You hear? Not you? Definitely not her. If I have to fight the savior, then I will. Oh. Je vais avancer, hein. Franchement, je vais. Mais je vous le dis, je vais bloquer sur le combat. Parce que si ça fait comme dans la mou, j'avais bloqué sur le combat et j'avais laissé tomber. The centuries have changed us, Snow and me. Once we fought desperately together against our fates. Now he's patron of a never-ending revel. Je me répète, mais c'est un très bon jeu. Hein. Mais
pour les beaux. Puisqu'on j'avais téléchargé tout à l'heure, il y avait plein d'autres qui le prenaient quand même. Hein. Bon, il y a beaucoup de fans, hein, ça c'est sûr. Les Final Fantasy, ça a toujours été. Hein, même si apparemment le Final Fantasy XIII a fait débat quand même. Mais ça reste quand même une référence. Mais comme je vous dis. How long has she been gone now? She brought us together and made us allies and friends. I can't give her back to you, but I can save your soul and free you from your long torment. It'll be my first act as savior. Il faut suivre l'histoire, hein, parce que moi j'ai rien suivi du tout, alors que ça suit beaucoup, hein. Mr. Hope S. Time. Any ideas? What do I do next? Like, come on. Just call me Hope, okay? Right now, your number one priority. Hop, je crois que c'est. Il me semble que c'était celui qui était déjà dans le précédent, dans les précédents. Bon, alors, le système de combat, par contre, apparemment, il y a trois trucs, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Oh, j'ai compris. Non, bah, ça, c'est pour voir l'ennemi. C'est pour voir. On voit pas dans quoi il est faible. Bon, la foudre apparemment ça fait rien sur lui. Je prends des points d'énergie, des... Bah déjà, ça fait pas comme dans la démo parce que déjà... Non, c'est bon. Bon alors, quand je frappe un ennemi, je gagne 10% de... Ah d'accord, j'ai compris, faut enchaîner la... Bon si ça fait pareil que le de moi. Sauf que là... Je vois si ma vie à vous. Voilà. Il me semble qu'il fallait pas tous les ennemis de la zone avant pour libérer la porte, il me semble, si c'est bien ça. Oh, c'est efficace. The fight. J'aime bien comment elle parle. Oui, je fais en mode facile, mais moi je me prends pas la tête dans les jeux vidéo. Franchement, ça. Hein. Après, non, ils aiment bien les challenges, c'est sûr, mais moi non. Bon, je veux pas non plus que le jeu soit trop facile et que genre, voir si c'est bon. Non, mais voilà quoi. Bon, il y a des jeux où on peut pas changer la difficulté, hein, comme Dark Souls. Je sais pas si je vous le ferai celui-là par contre, parce que. Il y a trop de jeux qui sortent. Is the savior a sign of coming destruction or a promise of hope? I would like to bet on hope. If you believe you are the true savior, you'll need to be carefully prepared for the battles that await you on your journey. Hmm?
Ah ouais, déjà dans la démo j'avais d'autres potions, là j'ai que les potions normales. I just spotted Snow. Help me track him. Got it. You need to hurry. What's Snow up to anyway? Where's he going? Ah d'accord, j'avais pas vu que la jauge d'énergie avait baissé. Voilà. Ce que j'avais pas fait dans la démo, hein. Oui, allez, allez, allez. Ah, ouais. Par contre, ça, c'est... C'est quoi ça? Non, faut pas dire. Ça, je pense que ça va en mettre plus, ça va en mettre plus d'un si à chaque fois qu'il est pas contre ça quoi. What the hell is he thinking? Ah, the destiny, running straight into the chaos. Is he going there to try to stop it or is he to use it against us somehow? You'll have to ask him yourself. Now hurry. Qu'est-ce qui est chiant dans ces jeux-là? Ce qui est chiant dans ces jeux-là, c'est le leveling. Et ça, le leveling, ça veut dire que vous devez squatter une zone pendant une heure, voire deux heures, pour monter les niveaux, pour être tanké, sinon, bien sûr, vous allez vous faire... Oh, putain. Ah, putain, ouais, c'est ce que j'aime pas. Je vais tout attaquer. I saw this coming. After people, but lording it over an entire city? Well, it wasn't his choice. He started out just trying to help everyone, and eventually he became ruler by popular acclaim. Although I'm not so sure he actually rules anything anymore. He doesn't do much these days except preside over the nightly revelry. Lord of the Feast. Je crois que j'ai arrivé au moment où je me suis outré sur ma démo. Bah oui, j'avais fait la démo. I didn't see much of the old snow. Ah, je peux plus courir. Je vais juste reprendre une suite. Ah ouais, ça par contre c'est chiant. Strange. Snow came down this way, but it's a dead end. Bah, voilà. Easy does it, Lightning. When that door opened, chaos reached the whole area spiked. Alors lui, je vais le terminer. Pour faire un. Oh vache. The destiny, the destiny. Nobody knows. The source of the chaos is in the middle of the palace, right? It doesn't make sense. Right, can you hear me? The chaos is... Ah, voilà le moment que je n'aime pas dans ce jeu. C'est là où j'ai échoué, mais bon, je pense que je devrais y arriver. Normalement, c'était au niveau de difficulté. What the? Who are you? And what are you doing here? If you're playing around in the middle of this chaos, I'm guessing you're not human. You can see when you're inside this stuff? Hmm. Then you can't be one of God's regular lackeys, can you? Le truc le plus chiant dans ce jeu, c'est ça. Les chocs. Infliger un ennemi.
t'enchaîne. Oh, ça va. Ce que j'avais fait dans la démo, hein, pour ça, à mon avis. Oh, bah, je l'ai niqué. Ah, bah, putain, là, vous allez voir plus que dans la démo, quoi. Parce que, normalement, quand vous finissez ça, en gros, la démo a duré 18 minutes. Bon, allez, on va dire 25 minutes avec les cinématiques. Bon, j'ai fait un rang étoile. Bon, maintenant, c'est en facile. Listen, Hope, I need more info. Can you analyze this chaos matter for me? I've been trying to do just that, but... C'est dans la démo, ça s'arrêtait là, normalement. None of my instruments will tell me anything. It's just too hard to see. What do you mean? I'm not sure. The sensors know it's there, all right. But when they actually look in... Alors, si je restais bloqué là, c'est même pas la peine de continuer. It's locked. Can I force it? That might be beyond even you. Hold on a second. I'll see what I can do from here. There's a lot of chaos building up back there. Yes, indeed. And Snow's inside, or whatever's left of him. Well, he has been living without hope for centuries. Now the world's about to end. He might have lost his mind entirely. If it were anyone else, I'd say that was a given. Do you think it could have gotten to him, though? Broken even his spirit? I hope not, but... Light! You've been spotted! You've gotta get out of there, now! After coming all this way? I'm his last chance, damn it! I know what he's going through. The pain of losing Sarah. C'est Sierra en gros qui est morte dans un des films de Grandi, mais je sais plus lequel, je crois que c'est 13-2, mais normalement celui-là c'est 13-3 hein, à la base. C'est le Final Fantasy 13, 13-2, mais celui-là c'est le 13-3 à la base. Donc voilà. Ouais, c'était les portes. So she'll understand his pain? She thinks she's going to save his soul? Would you listen to this nonsense? Ugh, God turns her into the savior and it all goes straight to her head. Au début, je croyais que c'était celle-là, mais non. Ah bah voilà. 15G. L'avènement de la libératrice. Bah voilà, j'ai déjà passé 20 minutes. Bon, je vous ai fait voir plus que la démo. Déjà, c'est bien parce que à la base, quand j'ai vu le début, j'ai dit « Ah, merde !» C'est à peu près pareil que la démo. Alors, c'est déjà pas mal, 20 minutes, sur un jeu comme ça. Once upon a time, I committed a terrible sin. J'ai commis une... It happened long ago, in a past that I cannot change. Je trouve qu'il est bien fait quand même, c'est... Ça va pour un jeu Curve Gen. C'est pas non plus la claque visuelle, mais ça s'en sort bien. So I turned to Sarah, the only family I had. She was my younger sister. I sent her to her death. I knew what I did could not be forgiven, but I prayed that someday it could be undone. Dreaming of the day I might bring her back, I fell into a long sleep. It was a sleep as dark as death. The centuries passed, and each one seemed like an eternity. Until one day the light touched me. I knew what it was. It was God himself speaking to me. All powerful, all knowing, ruler of the world and sky above. Bonavelza. The light was his voice, and I felt warmth on my skin as it spoke. He told me what I had to do. I would be his servant, and if I succeeded in doing his bidding, my reward would be a miracle. He said she would live again,
my sister, Sarah, and I'd have her back at last. And so I was chosen by God to rescue lost souls and guide them past the end of this world and into the next. I became the savior. Bon bah je pense que c'est là-dessus que je vais vous laisser, chers amis, parce que voilà, bon, après, sinon, ça va être très très long, hein. Déjà, pour une vidéo de découverte, généralement, c'est 10-15 minutes, mais là, je vous ai un peu plongé. Ah ouais, on voit pas mal les personnages de des précédents épisodes, donc voilà. Je vous dis à très vite. Donc là, voilà, c'est l'arche, donc ça doit être le prologue, hein, donc voilà. Je vous dis à très vite, et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.